haïtien vle fon bagay, yo ka fèl. Il suffit nous mettre tête nous ensemble. Nan jou ki sot passé yo, chef gang zone dans village de Dieu te publié en vidéo côté t'a menacé quiconque t'a décidé à le reporter channel YouTube li. Li fait en pile menace, li ba en pile pression, li menace tout moun qui t'a pris initiative pour reporter channel YouTube li. Et puis hier, nouvelle qui rive joindre nous en moins que 24 heures. C'est plus passé 10 000 compatriotes fraîcheurs haïtiens pareil nous qui décidaient pour reporter channel YouTube Izoa. Dans le moment où on a parlé à la Izo, channel qui a gagné près de 100 000 abonnés, il a recevoir plaque YouTube, il a fait vidéo et le channel ça le parle encore. Cependant, il y a plus passé 5 autres channels que Izo dans le moment là a utilisé pour continuer faire promotion musique li, pour continuer vendre tête li sur réseau. Eh bien, channel ça yo, li channel ça yo, rive joindre nous pral partager information avec nous parce que travail a commencé fait sur réseau. Haïtien décidé yo pas continuer à encourager vok sa li zo a fè yo. Izo tout moun connaît son bandit notre lié, son chef de gang lié. Eh bien, Izo pas ka vinn avan l'autre image de li. Non moment là, il rete branché, rete là, on va joindre li channel ça qui a supporté Izo et Izo a fait promotion musique sou yo non moment là. Depuis passé 10 ans, bon gros bataille en dedans l'église épiscopale d'Haïti. Nèg kap bataille pour poste. Révérend mon père kap bataille pour poste. Ça besoin président comité permanent, ça besoin trésorier, ça besoin administrateur. Baka yo senti di nan l'église. Nan dossier trafic zam qui implique l'église épiscopale d'Haïti. Nan jou qui sot passé yo la, eh bien bagay sa ki ton gwa mè, kèl te nan bouche, en pile pè nan l'église, kèl te nan bouche, en pile fidèle l'église épiscopale d'Haïti, kèl te nan bouche, on paquet parents ki gen pitit yo nan université épiscopale d'Haïti. Puisque l'église épiscopale d'Haïti li affilié avec un paquet l'autre institution en dedans pays qui a desservi communauté. Eh bien, nous songe dans jour qui se passe là précisément et mercredi, nous avons fait une émission côté que gagné deux prêtres dans l'église épiscopale d'Haïti. Te gen Père Nathanaël Saint-Pierre avec un autre père qui ont même yo te vin avec un plan de redressement, yo te vin avec nouveau projet pour regarder comment yo pral dresser, comment yo pral camper ce configi l'église épiscopale. Et bien mes amis, matin on tellement saisi, gen Père Wilkie Avril, Père Nathanaël Saint-Pierre retourné en actualité a. Monsieur ça a tellement bail information sur ça qui a passé en dedans l'église épiscopale, bataille qui gagne en moment là en dedans l'église épiscopale, fraude qui t'a fait en dedans l'église épiscopale depuis 2018, père qui n'a marron en parlant de Fritz Désiré qui côté là le caché. Est-ce que réellement la police a cherché Fritz Désiré? Est-ce que réellement la police a cherché Mordocheville ou bien c'est des CPJ qui n'en boit pas, bas bureau affaires criminelles en dedans des CPJ, bas bureau affaires financières et économiques en dedans des CPJ? Est-ce que c'est deux entités ça yo qui ont même qui ont volonté pour kembe dossier trafic d'armes qui implique l'église épiscopale d'Haïti pendant yon l'autre bord déjà la police avec un paquet l'autre autorité en dedans pays yon, yon même yon sur route pour Bayval. Parole en pile, mais nous là pour une bonne information, yo. Nous là pour nous clairer jour, pour qu'on ait exactement qui ça a fait dans le dossier trafic Zamza. Eh bien, râle tu chez ou chita. Information en pile, préparez ou pral qu'on ait tout détaillé dans votre mind. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'arrêter nous.
pour porter information yo, pour nous traiter information avec nous dans l'idée pour nous rester connecté à toute information qu'a brassé bille société a. Déjà m'a dit bienvenue là sur Tax 509 tout haïtien connecté channel qui connecté tout haïtien n'importe côté sous la terre bénie. Sous pourquoi abonner pas négliger faire ça abonner activer petite cloche notification et comme ça on prêter connecté avec nous pour pas rater aucune vidéo n'a gagner pour nous poster. Émission, c'est mon éditorial avec Yannick. Dernière présentation, c'est Yannick et fidèle servantou qui l'a avec vous pour barou information. Hier, Premier ministre Ariel Henry l'a annoncé gagner un programme apaisement social que primature de concert avec des instances internationales décidé mettre campé sous pied là. Après un pile promesse que patrie Kembe. Après un pile promesse qui mettait dominant genou, qui pas arrivé accompli, qui pas arrivé abouti, le gouvernement Ariel Henry a affirmé une autre fois encore que vous voulez attaquer, que vous voulez fourrer mais en dedans non insécurité alimentaire là, qui a tracassé mille et monde qui puis défavorisé, monde qui puis faible, monde qui pas rien accès pour manger chaque jour. Et bien dans l'idée ça gagne food shock window qui c'est non programme apaisement social qui lancé hier jeudi 13 avril par gouvernement qui pral coûter environ 21 milliards 600 millions de gourdes. Et l'argent ça qui pral investi dans cadre programme apaisement social là pendant près de 6 mois, FMI qui c'est Fonds monétaire international pral bail pi gros partie dans l'argent ça et reste là absorti dans caisse l'état haïtien. Et nous songez depuis l'heure hier Henri était décidé passé maintenant prix gazan yo monté gazan il t'a dit que l'argent ça l'argent yo retiré et côté l'état pas subventionné gazan encore et l'argent ça yo décidé mettre sous gazan il t'a pral aider pour mettre infrastructure il t'a pral aider dans programme apaisement social en pile promesse t'est faite en pile promesse t'est faite mais rien pas de jamais réalisé vraiment c'est des promesses non tenues côté que nous-mêmes, nous t'attendons que tu as pral gagner des programmes et d'envergure qui mettent campé, moun nan quartier populaire yo, moun cité soleil, moun Bel Air, moun la Saline, moun Solino, moun Badelma, que moun sa yo t'as pral joindre manger dans bol yo, que l'État, à travers et caisse assistance sociale qui l'a yo, à travers ministère affaires sociales qui l'a, t'as pral permettre à ce que moun sa yo facilite moun yo joine manger yo facilite moun yo joine et différents programmes pour intégrer tête yo pour rentrer là-dedans côté que yo t'ap kabay moun yo manger yo t'ap kabay moun yo l'autre moyen pour répondre avec besoin yo oh rien pas fait rien pas jamais fait jusqu'à ce que hier Ariel ouais c'est trop bagaille pour lui Fonds monétaire international ouais c'est trop bagay pou yo, eh bien yo décidé yo vini avec le programme ça. Est-ce que le programme nan li pral kembe pendant 6 mois? Est-ce que 21 milliards 600 millions de gourdes ça yo pral investir dans cadre programme nan vrai? Est-ce que au niveau du ministère des affaires sociales et du travail programme nan pas seulement un programme ti maman chéri ti doudou chéri côté yo pral bay moun yo on repas chaque jour on va assiette manger et puis moun sa yo leur fin manger a et puis yo fini. Est-ce que pral gen assistance qui pote vraiment côté que moun sa yo ka jwenn un petit dégage un petit chocho pour al brasser la rien même le bagay yo difficile insécurité à cheval parce que c'est comme ça programme fait c'est comme ça projet d'assistance sociale mette kopi parce que si m'ta essayer un petit comparaison le n'ap gade programme Biden nan son paquet de jet. En dedans programme nan yo dou y a bo assurance santé, y a barou et ou gen possibilité pour aller l'école, à apprendre anglais, à apprendre manier computer etc. Yo bay moun yon ti frais chaque mois, yo bay moun yon ti l'âge chaque mois etc. Et bien si nous la si l'état haïtien parle d'un programme apaisement social, on pas quoi dans programme nan seulement c'est pral bay moun yon ti bol manger, un ti plat manger chaque jour. M'pense en dedans programme nan pral gen moyen pral gagner en politique que ministère affaires sociales pral mettre là en politique que ministère affaires sociales en dedans même ministère affaires sociales et du travail en ministère pral mettre campé pour dire que moun sa yo si yo ba yo par exemple 5000 gourdes par mois mais qui ça le ka faire mais qui ça le ka envisager faire avec etc. M'pense c'est tout un package programme ça a doyé le a parlé de food shock window là
seulement ouais food ouais manger après ça on pas comprendre reste on pas comprendre qui ça va le venir avec on pas comprendre qui ça va le porter donc il est extrêmement important pour nous vraiment chercher plus de détails plus d'informations sous programme là pour nous connaître qui ça cap gagne exactement qui ça paquet janvier non souci pour compatriotes frères sœurs nous yo pas tomber et non catchou bombé pendant que yo a mettre dans tête yo Ariel gouvernement pral et alléger chaque jour pral bay aux meilleures conditions de vie et puis c'est rester nous rester pour nous avoir 21 millions ça li disparaît et rien sérieux pas réglé pour moun ki nan nécessité yo pour si la yo ki pi faible. Moi di nou nan commencement vidéo a que Izo village de Dieu trouvé le nan situation là, Izo fâché, Izo estomaqué, Izo énervé parce que ils ont perdu channel YouTube. Mais faut qu'ils ont été cartonnés à ça. Ils ont vendu des petits comme artiste mafia, comme chanteur, un rappeur, etc. Mais ils ont connu réellement, mais pas ça vrai. Mais pas ça vrai. En dehors de chanteur, qu'a chanté, etc. Mais ils sont criminels, ils sont bandits. Si vous voulez faire carrière dans la musique, le premier bail pour faire, c'est mettre à la disposition de la justice. Ça qu'a fait là pour le faire. Vous comprenez? Mon pas qu'a fini brasser bilan société comme ça. Ou pas ka gros machin désagrément curieux n'a touyer n'a kidnapper n'a voler n'a massacrer n'a mettre du feu et puis pour nous accepter pour population t'en y couvrir des bras accepter nous et puis oublier tout ça nous fait a chercher sympathie moun a faire moun menace a bay moun pression etc. Et bien dans moment là côté Izo perdu channel li gros ami qui voyon li channel on liste plateforme YouTube dans moment là qui a fait promotion pour Izo village de Dieu. Yon pral rann yo compte que channel sa yo c'est toujours même plateforme bandi en dedans village. C'est chaque musique Izo lagé yo reprend ni oui. Ou même moi penser c'est un moun lambda comme ça qui pas gagné en wè avec Izo. Eh bien faut chercher information pour qu'on ait ces même nèg qui en dedans gang village de Dieu, gang Izo 5 secondes là qui yo même qui gen channel yo tout, qui yo même qui plein abonnés, c'est ça qui énervant. C'est ça qui tragique là qui pi et humiliant, mais humiliant on ne peut plus parce que comment on pourrait dire que des séries de nègres, il y a kidnappé, il y a violé, il y a volé à fort, il y a massacré en pêcheur de la caillou et puis je ne dis rien là, quoi pas bonné avec eux à suivre. Nous pas ouais haïtien gros problème, nous pas ouais haïtien, majorité haïtien mérité pour aller au psy. C'est ça le syndrome de Stockholm non oui. Nous aimons bourreaux nous trop. Nègre pas cap terroriser, nègre prend nous en otage, nègre malmener nous, y a des chapiers, nous y a tout pisine et puis ou jouer malheur, ou prend le mal et plaisir, ou gain temps disponible, ou monter sur YouTube, ou taper Izo, ou regarder musique li, ou abonner, ou taper Zepekenyo, ou regarder musique li, ou abonner, impavrier. Même pour blague non, même pour blague pas au froid en bas en perdre du temps. On a mis qu'à partager, oh, li aller le gars les films de musique là fait screenshot li voye et puis li montrer quantité abonné li montrer quantité views l'âme ka gade moi Izo gen plateforme etc. mais qui quantité moun gen mais qui quantité views la fait par jour mais moi m'pa pral gaspiller tan m'pral di m'pral monter sur YouTube al chercher moun ça pour faire qui ça on va apprendre moi qui ça m'gagne pour m'prendre yo comme leçon jamais parce que modèle moun ça c'est moun c'est poison social yo c'est machine désagrément yo place yo. Son côté pour réfléchir, place yon se soit en prison ou bien en bataille, pas de deux formes possibles. Pas de deux formes possibles et pourtant, gen haïtien, pareil nous, fraîcheur nous, moun nous considère comme moun kap victime de la société. Et pourtant, c'est yon même, moun kap abonné. Moun sa yon ki pa kap passe dans l'entre sud pays pour yon aller et au Kay, pour yon aller Jacques Mel, pour yon aller Jérémy, etc. C'est yon même, moun yon pile nan yon kap abonné. Donc là, nous, ouais, moun sa yon, pile nan yon mérite pour yon psy. Allons en thérapeute, allons psychologue parce que en pile haïtien malade nous fou. Nous pas ka nous pas ka quitter syndrome de Stockholm ça manger nous pendant que n'a tombé d'amour, pendant que nous a sympathiser avec bourreau noir moun ka fait nous mal. Et même j'en ai des séries de moun là. Le m'a garde des séries de haïtien compatriotes frères sœurs ka prélé. Ouais, vive Ariel, pas mettre d'elle. Si ça va mettre d'Ariel, Ariel a quitté pouvoir en 2025 etc., etc. Mais on sérieux. Qui ça cap marcher dans le pays? On n'y a pas marché.
Nous vivons à l'aise, non. Nous mangeons à l'aise, non. Gain sécurité, non. Gain courant, non. Gain de l'eau potable, non. Gain travail, non. Éducation de qualité, non. Pas grand cap marché. Et pourtant, des militants, sympathisants, alliés, cap défendre. Qui s'en a défendre, non? Elle a dit, même moun sa yo, cap voler, cap faire corruption, même mouron nous sa yo, nous damou yo. Même pour nous ça, n'a fait promotion pour yo, même pour nous ça, n'a sympathisé avec eux, nous malades. Donc, 99.9% haïtien ta mérité pour yo psy. Et surtout moun sa yo kap fait politique, surtout moun sa yo ki rele tête yo militant. Parce que, à un certain moment de la durée, faut nous wè le moun yo malade. Eh bien, mes amis, préparez plume, nous préparez kaye nous. Nous prenons partager avec vous, yon lis neg, yon lis bandi en dedans village. Qui gen plateforme YouTube yo et plateforme nan li à la disposition de Izo. Izo la yon vidéo pour 1, li sou pa pour 2. Izo la gon ti bout de vidéo 30 secondes, li sou pa pour 1, li sou pa pour 2. Et nan moment la, Izo pa gen plateforme encore, li pa gen YouTube encore, seulement plaque. YouTube pa ta vwe trop plaque pa nan mel. Ah! Bref, seulement plaque la rien là comme souvenir que le bon channel qui rele Izo Village. Eh bien, tête pas droite. Qui c'est premier channel YouTube là dans moment que nèg yo continue à faire promotion pour Izo. Information qui rejoint nous nèg en tête pas droite lancer un bandi dans base Izo 5 secondes là. C'est nèg villagier, c'est bandi villagier. Donc il y a une plateforme là dans moment là et yo continue à faire promotion. Bon monde qui même dit me tête pas droite lancer nèg ça qui plein et qui met ton paquet épin dans figil, reprend ni plein épin dans figil, il dans tout sourcil. Après, attention, Jeanette. En tout cas, tête pas droite, il y a un channel YouTube, il y a plein d'abonnés, et channel li monétisé, channel li continue à faire promotion pour Izo. Donc, nous-mêmes qui continuons à faire promotion, nous faisons promotion pour nous débarrasser plancher de modèles, de énergumènes, travail à pap campé. Bon, le channel Drill Haïti 509. Toujours des qui nan base Izo, toujours bandi ka fè promotion Izo. Artiste Soso Seklan. Li gen channel YouTube li, se nèg an dedans village, se nèg qui nan base Izo, y a fè promotion pour Izo. Delson Detal Official. Bandi village qui gen plateforme YouTube yo ka fè promotion Izo, qui continue à faire travail propagande yo. Zepe Kenyon Enfoiré, bon ça li même, li fit avec Izo. Presque toute musique Izo, li fit avec Izo. Big channel li ki plein abonné la donne. Haïtien, des séries de moun ki comporte en épave, ki chita gade, vidéo ki chita gade, ka fè promotion pou bandi. Na comprenn ke an pile haïtien, yo même nan moment la, yo pa vraiment comprenn sa ka passe en dedans pays. Gen an pile haïtien ki pran tan yo, ki a gaspiller tan yo a fè promotion pou bandi, a partager vidéo bandi, a gade musique bandi sa yo. Abdi ban ap bay bel commentaire pou bandi sa en bas vidéo. Moun sa yo pa comprenn sa ka passe a. Yo pa comprenn, c'est nous-mêmes qui pa ka circuler a loi fami nou nan okay, a loi fami nou Jacmel, a loi fami nou Jérémy. C'est nous-mêmes qui subi. Moi pa konn depuis qui lèm faire rentrer sud pays a loi zanmi, a loi fami. Pour ki sa parce que nèg yo décidé au bloquer. Yo décidé au bloquer. C'est pas tout monde qui remet pran avion, non? C'est pas tout monde qui remet pran avion. Et gon certain de yon GPT Street là a fait promotion Izo nèg village bandi en dedans village de 5 secondes dans base Izo 5 secondes là pou kounye a là c'est 6 plateformes ça yo c'est 6 channel YouTube yo ça yo nous gagné là dans liste nous qui rejoin nous qui continue à faire promotion pour Izo dans village donc nous même qui prend initiative pour nous reporter nous même qui prend initiative pour nous continuer à dénoncer comportement FAI sa yo, que travail la pas campé, que travail la continuer pour nous encourager bon comportement et pas comportement malfrain d'ennemi de jouer sa yo qui a crasé paysan qui pas suspend tout yé, kidnappé, violé au paquet de bandits sans foi ni loi. Eh bien mes amis, pendant n'a parlé de bandits sans foi ni loi sa yo, ils ont si la appli la mort sans vite l'homme n'g9 g peuple yo pas t'a exister si pas gen moun qui t'a financé, si pas gen moun qui t'a promoté, si pas gen moun qui t'a fourni aux âmes avec balle. Parce que ISO 109 mm ou bien son gros galil sans balle, ils ont pas mis rien. Ils ont pas même kakope parler non sou moun. S'il pas gen machikotel, s'il pas gen zam nyavel. Parce que jounen jodi an la, tout bandou dans de ki bandi qui a battu l'estomac, c'est parce que
yo gon zam pou yo camper sou li. Zam nan se bois d'herbe nan yo. L'armée ou gen avec yo se bois d'herbe nan yo. Donc tout monsieur sa yo, monsieur dame sa yo ki an dedans la République, ki a financé bandi yon bo, ki a mete moyen la disposition de bandi yo, ba yo zam, ba yo bal, nèg sa yo ka fè trafic zam ak munisyon an dedans peyi an. Yo même yo pou beaucoup nan insécurité, yo pou beaucoup nan violence criminelle ki gen an dedans la République. Déclaration ça, c'est un père dans l'église épiscopale d'Haïti qui fait. C'est pas tout père qui volait, c'est pas tout père qui n'a trafic d'armes, qui n'a trafic balle. En dedans l'église épiscopale d'Haïti, depuis passé 10 ans, il y a gros bataille qu'a fait pour poste. Nèg qui besoin prend tête comité permanent, nèg qui besoin prend poste et trésorier, nèg qui besoin jouer influence pour prendre contrôle l'église. Et bien situation ça a vinn créer ti clan ti groupe en dedans l'église épiscopale. En 2018, l'église épiscopale d'Haïti té gen pour yo faire élection pour yo changer comité permanent. Eh bien, élection ça, soit élection qui était plein fraude, soit élection qui était truquée, soit élection qui était faite côté que pas de légitimité, côté que différents groupes moun qui étaient dans l'élection ont été contesté résultat. Malgré ça, moun sa yo ont été contesté, journée aujourd'hui, c'est eux même qui toujours dans tête comité permanent. Attendez. En l'année 2018, l'élection fin faite, yo voye résultat yo by l'église anglicane, l'église épiscopale anglicane en Angleterre, parce que yo même en Haïti, c'est comme si son corporation, c'est son paquet l'église qui gen connexité qui lié, yo considéré comme des églises qui sous tutelle. Ça veut dire l'église qui coiffe l'église épiscopale d'Haïti en qui joue en Angleterre là, li même par rapport avec toute fraude, toute irrégularité qui te gagne dans l'élection 2018, l'élection 2018, c'est pas élection nationale, élection CEP fait, non. Ma parle de l'élection qui te fait en dedans l'église épiscopale. Côté révérend Père, a bourré bulletin dans une, a plein une à bulletin. Côté élection, ça a lié fraude. Côté élection, ça n'est pas légitime. Il te contesté, il te gagne irrégularité. Déjà là, vous avez senti que vous avez marché en dedans l'église. Son bagay clan, n'a fait élection pour nous mettre en comité permanent et puis n'a fait fraude, alors que n'a dit pas voler, n'a dit moun pas fait ceci, pas fait cela, gon comportement doit gagner, tout ça qui négatif, tout ça qui sujet à corruption nous pas doit la donne, et puis en dedans l'église gagne fraude. Là, c'est déjà un signal l'idée doué. Mais ça pourquoi? Élection faite, et l'église épiscopale anglicane juste en Angleterre li pas validé élection parce que gen fraude. Mais malgré gen fraude, moun sa yo te contesté parce que élection te gen irrégularité. Journée jodi an la, en pile nan yo impliqué dans question trafic d'am, en pile nan yo impliqué dans question trafic balle depuis mois d'août 2022 passé a. Et bien mes amis, tendez, c'est moi k'ap di. Genye matin et deux révérends pères. Ma parle nous, bien entendu, de Père et Wilkie Avril. Ma parle nous de Père Nathanael Saint-Pierre. Non l'idée pour laver ce qu'a fait l'église, qui fin sale, qui fin terni, image l'église terni net, sale. Eh bien, yo même yo encourage à deux bras pour yo dénoncer yo quantité magouille qui a fait, qui continue à faire en dedans l'église épiscopale d'Haïti. L'église épiscopale d'Haïti, bon paquet l'autre institution qui lié avec lui. Gen université épiscopale d'Haïti qui lié avec lui. Gen différents autres organismes côté que yo t'a fait des activités sociales, bay manger etc. qui lié avec lui. Dans moment là, tout bagay sa yo paralysé. Comité permanent l'église épiscopale là, gen nan tête comme président révérend Mordocheville. Dans le jour qui s'est passé là, même Mordocheville ça, qui, dans le premier temps, t'es allé cabinet d'instruction, t'es allé rencontrer juge. Attendez, DCPJ t'es invité, il décide de parler de DCPJ, mais là, le cabinet d'instruction, là, je n'ai juge d'instruction. Pourtant, il y a fini d'entendre, il y a eu la caille, il y a pas qu'un bill.
des CPJ qui continuent à enquêter, BAC qui fait bureau affaires criminelles en dedans des CPJ qui a enquêté qui sous dossier, BAF qui fait bureau affaires financières et économiques en dedans des CPJ qui sous dossier continue à enquêter, et bien pral gon revirement qui fait dans dossier ça. C'est le DCPJ pralement DPNH pour mettre un avis de recherche des Père Madocheville. Madocheville, président comité permanent, c'est lui qui a présidé l'église épiscopale et c'est lui qui a présidé toute activité en dedans l'église épiscopale, des décisions qu'a prend c'est lui même qui pour prendre lui etc., etc. Et bien je ne jodi en là Madocheville rete yon poison pour l'église. Tendez bien. Malgré Madocheville nan maro, Madocheville continue à prendre des engagements au nom de l'église épiscopale d'Haïti. Oui, c'est vrai, par un tribunal, par un juge qui a prononcé, par une sentence qui rend, etc. Par par une sanction qui baille. Mais écoute, même son base d'éthique, même pour le respect de l'institution qui a présidé, qui a été dans le comité permanent, automatiquement, des CPJ, la police a cherché, t'as couché fou, t'as couché fou, mi fou, parce que ou impliqué dans le trafic d'âme, ou impliqué dans le trafic de balle, dans le bandit d'âme, dans le bandit balle, ou t'as supposé faire retrait. Ou t'as supposé mettre corps sur côté. Et pourtant, pendant des CPJ, la police, Briap cherché révérend PA, révérend PA l'a signé document non seulement qui engage l'église épiscopale mais qui engage l'université épiscopale d'Haïti. Est-ce que c'est sérieux? Père Fritz Désiré lui-même, la police a cherché Père Fritz Désiré pendant un bon bout de temps. Madocheville, la police mettait à vie recherche d'elle là, ça son revirement. Ça son bagay qui fait paraître. Mais pour bon temps, DCPJ, la police, brigade de recherche et d'intervention, a cherché Fritz Désiré. Fritz Désiré qui c'est moun Lagonaz. Et bien, il y a une information qui a circulé qui t'a fait quoi? Que Fritz Désiré lui-même, li a caché col Lagonaz. L'information, ça a commencé à circuler. Moi, une question me pose tête. Moi, je dis, bon, écoute. La police a cherché Fritz Désiré. Premier bagay qui t'a supposé fait en dedans des CPJ, c'est retour à la case départ. Qui veut dire qui ça? C'est aller pour qu'on ait côté moun nan soti. Est-ce que qui relation gen avec moun côté de soti yo? Est-ce que t'es une très bonne relation avec moun Lagonaz pendant que li te fait partie de comité, pendant que li t'a dirige, etc. Qui relation? Fritz Désiré gagne avec entourage. C'est premier côté pour aller chercher. C'est premier côté pour aller chercher. Et bien, on dirait que, y'a oublié si Fritz Désiré c'est mon Lagonaz lié. Y'a oublié si c'est la sorti, si c'est la grandi, si c'est la rete, si c'est la majorité famille. Et puis, sortant de là, bouille à courir, information à circuler comme quoi Fritz Désiré t'a le caché col, non, on trouve dans Lagonaz. Donc, ça fait extrêmement important. Faut que la police, faut que DCPJ, faut briller, faut toute autorité qui concernée par question trafic d'armes, trafic balles, concerne des autorités en dedans l'église épiscopale d'Haïti, faut qu'yo enquêter, faut qu'yo calégé, faut qu'yo l'ouvrige. Pour qui raison? Gen moun qui a posé question et gen un ami qui te mandé ça tout. Moi-même, puisque m'a cherché information, pas obligé qu'on tout détail, moi-même qui ça me fait gère celle de moun konnen qui gagne de très bonnes relations avec l'église, que c'est l'église catholique, que c'est l'église épiscopale d'Haïti, moi te contacté yo pour yo ban moins plus de détails, plus d'explications. Bon ami qui demande, pour qui ça Jean ministère des cultes te prend sanction contre pasteur Amel Lafleur, scandale lan te éclaté côté que le t'a mané petit li, il t'a bobo petit li, yo prend sanction pour le pas exercer pour le pas exercer activité religieuse pendant 5 ans. Pour qui ça l'église, pour qui ça ministère des cultes pas prend sanction tout contre l'église épiscopale. Ça veut dire et contre moun sa yo qui en dedans l'église épiscopale, prêtre sa yo qui sous sanction etc., qui implique dans le trafic d'armes, qui implique dans le trafic de balles, etc. Pour qui ça tourne pas prendre sanction contre l'église épiscopale.
Le parler avec différents mondes, pour les bagages, vous allez me que même gens l'Église catholique, ils ont lié directement avec et avec le pape. Autorité hiérarchique, c'est à Rome, c'est le pape, c'est tout ça qui concerne concordat qui lié avec Haïti. Donc, ministère des cultes, pas qu'à gagner. Ministère des cultes, ça c'est pas les lois pour sanctionner l'Église catholique. Même gens ministère des cultes. Pas les droits pour ta sanctionner l'église épiscopale d'Haïti. Comme si pour ta demander pour ta fermer l'église, pour ta demander pour ta prendre des décisions contre l'église, etc. Cependant, nous, elle, t'es gen COVID là. Ministère de la Santé publique, sorti information, yop sorti note, yop kote ke, yop prendre des dispositions pour pas gen rassemblement qui fait. Plus que 5 moun pas ka rassembler dans le même espace. Yo obligé koube yo parce que ça c'est des dispositions l'état prend et tout monde toute institution tout groupement toute association qui en dedans pays qui a exercé yo quelconque activité sous sol haïtien doit couper automatiquement. On comprend, il doit couper automatiquement. Mais kounia ça qui pral gen pour avec des sanctions que yo pral prendre contre l'église par rapport avec des activités que yo supposé fermer l'église etc. Ça yo lié directement avec l'église anglicane en Angleterre, lié avec Rome, avec la sainteté, le pape, etc. Donc là, nous clair. Cependant, l'église protestante en Haïti, nous voyons comment le facile, comment l'easy, pour gagner des dispositions qui prend, pour gagner des sanctions qui prononcent contre pasteur nous, contre évêque nous, etc., etc. Mais ça parle aussi pour autant que moun sa yo ka fè malversation dans l'église épiscopale que l'état haïtien pa ka sanctionné. Non, l'état haïtien ka sanctionné. Et c'est le cas noue révérend Père François Kol la boîte ti prison. La goûter ti prison litlik, la boîte ti prison. Parce que l'église épiscopale, l'église catholique, l'église protestante yo c'est des institutions, yo c'est des entités. Yo c'est des institutions. Yo c'est des entités morales. OK, c'est ça nous déclarer les personnes morales. Personne morale yo tout, ça qu'arrivé que il y a des dispositions de des sanctions qui prend contre yo. Mais gagner des dispositions bien spécifiques, clairement définies qui pral permettre que sanctionner et personnes morales yo. Kounya, on nous garder réalité. Gros scandale éclaté qui concernait l'église épiscopale d'Haïti. L'église épiscopale d'Haïti son institution. Moun kap gère l'église épiscopale yo, c'est yo même qui impliquait dans ce scandale là proprement parlé des personnes physiques tant que France Cole, Mardocheville, Fritz Désiré et Vundla Zimbabwean et te gagnen broker à Ginette qui impliqué dans tout scandale ça yo kounya des sanctions que la justice pral prend la police pral prend etc. C'est contre moun ça yo, c'est contre individu ça yo. Mais qui ça qui rive on institution qui préalablement te noble faut moi dit nous tout que moun ça rien pouvoir hein. L'église en Haïti yo gen pouvoir, c'est pas seulement en Haïti. J'ai l'impression dans tout le monde là depuis ce côté religion li vraiment présent, religion li vraiment imposant. Moun sa yo, yo a toujours puissant, y a toujours et gon certaine autorité. Kounya comme en dedans l'église épiscopale, scandale éclaté, des séries de gros dirigeants, de gros responsables dedans l'église impliqués dans trafic d'armes, impliqués dans vente balle etc. Automatiquement image l'église en sale. Qui est-ce qui pral li dim jounen jodi an là? Et on ferme un jour mais on perd l'église épiscopale la kembe mon pour traverser au la rue. Non, on ka di jamais quitter j'aime caler pour moi. Si c'est pas nous on trouve pral la game. Si c'est pas nous base bandi pral même parce que exemple qui tracé a montré que l'église épiscopale d'Haïti c'est fraude, c'est corruption, c'est malversation qu'a fait dans automatiquement image yo voye, image yo reflété, c'est corruption, c'est scandale, c'est trafic d'armes, c'est malversation. En pile moun pa fè yo confiance encore, en pile et fidèle yo te gen pa fè yo confiance. M pa bezwen palo de yon moun ki pa même mache l'église yo, de yon moun ki pa même kwen nan yo, nan travay yo ta fè an dedan peyi yo. Donc ça li extrêmement important. Mais kounya, ki sa ki ka fè? Sa ki ka fè la, sa ki suppose fè la, ki doit fè la, c'est la justice, la police. Ba nou Zimbabwean voun la chikoun gozo. Bon. Ba nou Fritz Désiré. Ba nou Mardocheville. Tout moun sa yo ki implike nan trafic zam nan, ki implike nan trafic bal lan, ba nou yo, mette yo à la disposition de la justice. Fòk lumière fèt sou dossier sa.
Faut que lumière fait sous dossier ça, moun ki coupable yo, faut que yo sanctionné. Faut que la justice, faut qu'un tribunal, faut qu'un juge prononce sentence, prononce peine yo, parce que nous-mêmes nous gon vieille pratique, nous gon vieille coutume en Haïti. Tout ça qui mal, tout ça qui a fait mal, c'est les priorités. C'est li n'a promoter bien jeune jodi an là, nous pas ka continuer à tolérer malversation, magouille, za criminel vagabondage, on paquet machin désagrément, à cravate, à sultan yo sou yo et puis vini avant nous faut l'espoir. L'espoir dans gros mamite, l'espoir dans petit mamite, gros liquidation l'espoir. Non. Non, bagay ça faut que li fini parce que si nous voulons bâtir une société, nous voulons bâtir un autre pays, faut gen exemple qui tracé. Eh bien mes amis, maintenant là deux révérends Père Sayo, Père Wilki Avril, Père Nathanaël Saint-Pierre, yo te font gros râler dans émission et Caraïbes là dans Grand Boulevard matin là. M'bral faire nous tendre un extrait. M'bral faire nous tendre un extrait et deux interviews ça qui t'a fait avec deux révérends Père yo. Comme ça on gagner plus de détails. Mais seul ça on reconnaît. Là on a fait avec moun, tout est possible. Tout est possible. Mais pendant temps de tout est possible, il y a des gens qui ont conviction, des gens qui ont honnêteté, des gens qui ont crédibilité, des gens qui pas vendre conscience ni pour million, ni pour million de dollars, ni pour million de good. L'erreur, l'extrêmement rare. Scandale ça qui éclate en dedans l'église épiscopale, son occasion ou même pour gagner pour pas croire tout mon aveuglement. Pour pas croire pasteur aveuglement, j'ai fermé. Pour pas croire PA, j'ai fermé. Pour pas croire vaudouisant, j'ai fermé. Pour pas croire président, j'ai fermé. Pour pas croire premier ministre, j'ai fermé. Pour pas croire dirigeant, j'ai fermé. Parce que n'importe côté moun nan e, n'importe secteur li la dan la, li ka toujours bon kou nan do. Li ka toujours pon yan do, lor pa tatan nou le plus sa. Donc, en nou tande ensemble, comment ça te matin, dans ça qui concerne trafic zamak bal, qui concerne les dirigeants prêtres religieux en dedans l'église épiscopale d'Haïti. Bon, Pierre-Renel n'a vivé très difficilement parce que malgré nous à l'étranger, nous c'est haïtiens, nous te qu'on marcher avec fierté si c'est masque n'a mettait dans figure nous, nous prend drapeau nous mettait dans figure nous. Gainan nous qui marchait avec un collier dans cou nous qui gain emblème drapeau pays d'Haïti et nous t'es fier. Mais kounyen avec tâche ça, avec crise ça, que peut-être ou même ou konnen kap traverser l'église épiscopale d'Haïti depuis 2 ans, mais nous même nous ka dit c'est une crise kap traverser l'église là depuis les 10 dernières années, eh bien nous commencer de plus en plus honte à exprimer identité nous. Malheureusement, c'est moun nou ye a. Même si au niveau local traiter nous de diaspora ou bien traiter nous de minorité etc. Les deux sont vrais. Nous moi-même moi dans diaspora Wilki national nous capable représenter en minorité mais journée jodi a c'est pas nous dans ti minorité ça qui mène l'église d'à côté lié. Donc jodi a participation nous dans émission là c'est pour nous faire le point pour nous capable dire clairement que c'est pas tout pays qui vagabond c'est pas tout pays qui gagne main au trempé dans trafic zam c'est des monde qui a soif de pouvoir et a soif c'est quelques éléments donc maintenant l'important pour que la justice capable suivre couler pour les joindre éléments ça parce que pendant y a dit on a marron nous connaît que gagne des nèg cap sien des documents officiel qui a fait des nominations ou fait saute mentionné là que gagne des institutions tant coup université épiscopale qui en crise donc li important que nous connaît que pendant l'université épiscopale en crise là gagne des monde qui recherché par la police qui a signé des documents officiels au nom de l'église là donc nous même nous vienne démarquer nous de action ça mon père Saint-Pierre. Là, faut ne pas aller clair parce que nous connaissons qui est-ce qui est à la ville de recherche derrière et qui est un jeudi à la qui sont éléments clés dans tête l'église épiscopale dans le pays d'Haïti qui est le père Jean-Marie Cheville. C'est lui-même qui a joué le rôle président comité permanent de l'église là. Nous connaissons les gagnants des mandats, aussi que la police, gagnants à la ville de recherche qui lance contre lui. Est-ce que c'est lui-même qui toujours
dans tête l'église là ou du moins dans tête comité permanent qui a géré l'église là. Oui, moi saluer nous. Moi saluer Père Nathanaël, moi saluer Andy, moi saluer Guerrier, Père L, toute équipe là. Moi c'est Père Avril, m'a travaillé dans paroisse Port de Paix. Mais remercions-nous puisque nous avons une occasion pour nous parler avec la presse aujourd'hui. Dans un moment, l'église noire, vilipendé, avili, glossal, de tous côtés a frappé nous. Et comme Père Nathanaël se dit, nous venons prendre la parole au nom de la foi, nous, au nom de conviction, nous, au nom de majorité fidèle, l'église là, qui vit dans la honte, dans la peur et dans la déception. Au nom de cette minorité et que y aurait les noms, mais qui angoissé. Demandez-nous qui est-ce qui est dans la tête de l'église aujourd'hui. Hein? C'est effectivement Père Madoché. Parce que les bajans vont remettre démission. Nous n'avons pas dit Père Madoché, nous n'avons pas dit pour dire c'est lui qui est responsable ou pas. C'est la police qui vient, la police avec la justice qui doit établir vérité sur question. Yo impeglé Père Madoché dans question ça, Père Fanfan, Père Désiré, à un paquet de l'autre monde qui est noyé cité. Maintenant, yo doit mettre yo disponible pour la justice, tendez yo, et mesurer niveau implication ou pas dans le dossier ça. Entre temps, pour que vous connaissiez, si vous puni, vous pouvez punir aussi vous coupable. Si vous pas coupable, vous rendez libre de leur activité. Mais entre temps, l'étape belle pour que moun qui n'a tête l'église là qu'on y a, qui viennent yo ap cité, qui viennent yo comme la police ap cherché, qui était capable de mettre disponible pour que l'église soit capable de respirer en attendant. Parce que si tout... Mettez disponible ou bien mettez sous-côté, écarté de l'église là. Sous-côté, dans fonction, il y a rempli qu'on y a. Parce que, on est d'accord avec moi, un guerrier du sel. Il est anormal qu'on peut gagner une cité à niveau ça, et puis toujours une responsabilité de gouverner l'église. Maintenant, pas seulement responsabilité pour le gérer, mais responsabilité pastorale. Qui crédibilité on nèg yo accusé? Parce que lorsqu'on nèg qui paie, et puis pendant qu'on paie, non absité dans trafic zam kap tue moun, non absité dans trafic zam qui vend avec bandi. DCPJ débarqué dans bureau diocésain, yo prend ordinateur. Donc, yo gen accès à des données que moi-même côté Mia ou bien Père Avril côté Lia, li pa jam au courant parce que le ou son père ou pa gen accès à bureau diocésain pour ta rentrer pour capable prendre n'importe qui bagaille. Yo wè que gen des chèques qui émis. C'est ça que fait yo arrêter yon comptable et comptable a dit que lui-même son employé lié c'est l'ordre yo bali. Li important jounen jodi a pour si on est ou capable de cacher ou à maon, sous qu'on est que ou innocent, prend un avocat, fait à louer mettre ou bail la police pour protéger vie ou avec bien ou, le fini, organiser défense ou parce que ou gagne des preuves nan men ou que ou pas participer nan yon bagay ki louche. Mais si qu'on est au lieu de faire ça, ou à maon, ou à faire dilatoire, ou à chercher juge qui pour publier pour des ordonnances de non-lieu ou utiliser corruption sociale qui existait journée jodi a. Mon père on faut camper là, c'est gros bagarre on dit là, parce que faut public qu'on n'a parlé là de Père Jean Madoucheville. C'est lui même qui président jusqu'à minute n'a parlé jusqu'à une décision officielle de l'église épiscopale d'Haïti, c'est lui-même qui président comité permanent l'église là. Et c'est lui-même tout non seulement moi y a information que juge là t'étendait et c'est même Père Madoché ça de CPJ très récemment là publié en liste d'avis de recherche et non la donne. Donc on parle de monde cap fait des démarches pour si t'as gagné une ordonnance de non-lieu qui rend, si t'as gagné des décisions de justice qui sont en faveur, il n'a pas de responsable de l'église. Donc sans langue de bois, on parle quand même du révérend Père Jean Madoucheville. Donc faut que nous clair.
langue n'est pas faite en bois, mon cher ami. les faites en viande, les prend goût et les m'utiliser les dans façon m'a parler. Pas oublier que moi-même moi gain conviction que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde qui pas prouvé coupable gain ça relé en présomption d'innocence contre lui, mais l'or innocent ou pas caché ou pas n'en caché. OK? Et faut que nous réaliser tout que depuis 2018, l'église épiscopale, c'est une église qui sans chef. Parce que, il a été fait une élection qui a voté, parce que l'élection a été tellement de fraude là-dedans, que les instances étrangères qui ont dû valider l'élection, ça, reconnaître le résultat de l'élection, ça, il a été dit que. Ou dit élection a été gain faute, ça dit même dans l'église tout nous fait si faute nous. De l'église a parlé là. Ça dit bah ça c'est en dedans nous. Ah mais c'est pas nous ça me parler là. Là dit nous on va parler de l'église dans ça. Ça dit nous c'est dans tout nous coquins tout côté. Mais moi je voulais dire que l'église là c'est pas tout simplement yon caille qui bâti côté moun vini, yon chanté, yon joyeux etc. L'église a son administration niée. Qui fait li gen moun là-dedans et même leur où elles n'ont pas cochon gen cochonnerie et ben dans toute association côté gen moun a gen mounerie qui fait là-dedans mounerie qui veut dire gen moun k'ap fait coquin dans jouette là gen moun k'ap essayer tirer à la domino k'ap menti dans domino exactement gen moun k'ap met mu dans domino gen moun k'ap double sista nan mer yo prend poser double blanier mais parce que c'est une association humaine liée, li gen tout ça qui gagne dans moun nan là-dedans. Donc faut que nous pas nan cacher main voyer roche ou bien quoi que ce soit. Donc oui, est-ce que l'église Haïti a est autonome et au point que c'est nous-mêmes qui décidons de par nous-mêmes parce que me connaît l'église épiscopale anglicane, li gon connexion avec Angleterre dans toutes des autres ça yo qui ça et tête l'église là d'un niveau international d'un niveau et Angleterre et qui ça yo dit qui réaction yo par rapport à ça. Bon, yo t'en aimé que c'est un problème haïtien que haïtien résoudre. Pas oublier que dans Jean l'église là structurée, yon diocèse c'est une entité d'akadi pour compte li que li. Gende peut-être une relation d'entraide. Gagner peut-être relations d'échange culturelles, sociales et religieuses, mais c'est pas parce que nous c'est petit dans l'église que le nous fin grand monde tête nous papa nous à maman nous qu'a dit nous qui ça nous doit faire. Donc l'étranger a regardé même Jean Wey a regardé gouvernement en Haïti et puis a dit trouvez-vous une solution haïtienne à la crise. Sauf que bonjo pas gen moun ki sou pouvoir ka pran ekrete li vire dol ba ou la lèl kite pouvoir li important pou nou comprendre ça vous t'avez ajouté mon père va commencer nous t'aide bien et qui t'aime dit nous il ne s'agit pas de n'importe qui pendant même ça pas gen évêque dans tête li là. Ce sont les dirigeants de l'Église qui épinglés, qui approchés par la justice. Moun qui te ka pren décision, mettez l'autre moun sous côté. Parce que pas nous comprendre son bagage qui sert la situation de l'Église épiscopale d'Haïti aujourd'hui. Il passe simple à nous penser, là. C'est nationalement pour problème à résoudre. Ça veut dire qui ça? Pour capable de gagner des prises de conscience qui prennent de la part des dirigeants. Puis on t'a dit, c'est pas parce que je suis responsable de ça, je dis, mais non, qui fait ma plainte comme sous-côté. Ma plainte comme sous-côté parce que, j'ai un doute raisonnable qui plane sous tête maintenant, moment, que je ne suis pas clair dans l'administration. Ma permettre que j'ai des gens qui, dans l'église là, viennent assumer la responsabilité que je t'ai assumé. Le temps pour la justice clarifier ça qui doit clarifier. Et puis maintenant, l'église là continue à faire chimel. Maintenant, mais ça nous y est aujourd'hui là, c'est que, ou gagner, par exemple,
pour l'homme de la presse qui a parlé. Ou de la presse de Rosa que paye à Banzam. L'église est biscopale à Banzam. Bon, c'est ça qui vend dans le jeu ça comme image. Mais attention, attention. Ou qu'on est même à un paquet de paix qui a parlé là, ou qui a parlé là, et nous ne connaissons rien qui a passé dans la direction de l'église. Je journaliste, il y a par exemple des avocats qui ont parlé dans nous là, on est même. Si nous avons par exemple des avocats qui ont parlé toute la semaine journée dans la presse au nom de l'église épiscopale, mais nous-mêmes, père, nous ne connaissons pas. Non, mais c'est pas fait partie de staff dirigeant, donc ça arrive que nous ne connaissons pas. Non, non, attention, si avocat a parlé dans le nom de l'église épiscopale, l'église c'est avocat l'église. L'église est avocat. Avocat de l'église épiscopale, il est Harry Théodore, tout le monde connaît. Si on m'a accusé, il prend avocat pour défendre. Mon abdi l'a parlé dans le nom un monde qui choisit comme avocat là. Ça, c'est un petit problème. En août 2022, après le dossier, ça a été fini pour la presse, il y a une note qui était sortie et qui signait par le président du comité permanent et révérend père Jean Malocheville ensemble avec M. Samuel Madistin laisse a priorité pour font démarcation par rapport avec arrestation et révérend père Franz Kol va vrai Franz Kol là donc je dis à ou dit comme ça que l'église épiscopale les mêmes il y a un avocat qu'on sous cité non là et qui sont fait de M. Samuel Madistin et très récemment la M. Peggy Jean qui ont même dit c'est l'église là qui bon pas peut-être non degré moins pour Samuel Madistin qui lui même si on note avec et père Madoché mais Peggy Jean qui dit lui même c'est l'église là qui engagé oui même. Mais en situation spéciale ouais. Tout est-ce que l'église va t'a engagé de nouveau de l'autre avocat de l'autre cabinet pour renforcer ouais. Ça clair à l'église là on va continuer ça dire on va dire ça pour montrer nous n'est ça pas rien droit choisir avocat non mais ben une information ça pour montrer nous nous considérer comme chef l'église là toujours yo a agi d'un côté reste l'église là de l'autre côté est-ce que présence yo dans tête l'église là toujours pas fragiliser l'église là comme personne morale parce que m'pa vle pour juste dire bagaille pourtant ou sont expliquer ça là bon administration de l'église là et bon organigramme bon gens l'église organisé comprendre pour dire que mais qui est-ce qui dans tel niveau, mais qui est-ce qui a fait qui ça, mais qui est-ce qui secrétaire, mais qui est-ce qui président, bon certaines hiérarchies. Moi, il y a la civile bon scandale, je suppose, règlement qui régit fonctionnement l'église épiscopale là, il prévoit des bagages. Donc, si un tel, pour une raison bien pour l'autre, pas disponible, donc comment ça a fait pour mettre un tel de côté en attendant qu'il y ait des bagages formels qui fait soit élection ou bien congrès, par contre, Janouré, l'un de l'église là. Bon, moi-même, pour moi, je pense que c'est bon tolérance ou bien bon corruption qui a marché dans sa capacité. Là, puisque, bonjour, nous avons vu Pasteur Lafleur qui a un gros problème avec une vidéo que nous avons mis dehors qui a soulevé la clameur publique. Mais immédiatement, le ministère de tutelle là, a été et il a été présenté et il a été réprimandé, il a même pris une sanction contre lui. Maintenant, pour qui ça au niveau de l'église épiscopale, puisque il y a un monde qui a signé des documents officiels pour l'église là, les campés dans mitan l'église dans la Gonave, nous tant des bits audio que quelques fidèles voyaient ba nous, côté l'a dit que l'était obligé de replier, l'y tourner, etc. Mon après les en moins pour lui, etc. Côté la police vraiment, côté institution qui appelait à agir. Le on moun recherché, est-ce que vraiment bon recherche ou bien est-ce que la question épiscopale li fait partie de un mystère qui fait que l'enquête va se poursuivre indéfiniment. Donc son gros question pour nous poser côté ministère de tutelle là nous songer que tu gagne un directeur ministère des cultes qui était à un moment donné rentré dans dossier a pour dire que pas bien des demandes qui étaient faites, etc. Côté ministère, ça, est-ce que Jounen Jodia li kembe li mande des règlements de compte? Parce que moi, j'ai l'impression, pour l'église épiscopale ou entité légale, il faut bien que le ministère des cultes valide l'action l'église là a posé. Alors, n'a posé question ça, Jodia.
L'autre question a posé. Oui, Nathanaël. Non, situation côté ces bergers qui trouvaient sur le banc des accusés, qu'en est-il de Brébillot, et là, m'a parlé de fidèles, yo. Qui ça nous dit, yo? Qui message nous pote bayo pour yo kembe? M'imaginer, dernier jour, ça yo, nous pas fait recette. Est-ce que l'église a continué à remplir ou bien il y a moins de monde qui vient dans le service, nous, yo? Je vais intervention ça. Je vais répondre à une question ça après Nathanaël. Bon, dis-nous, pendant ma vie, répondre à la question nous dans l'émission aujourd'hui. Yon fidèle qui ouais, m'a dit dans l'émission matin, il écrit, me dit, Père Avril, je compte sur vous, je la prière, bon Dieu, pour bon Dieu, pour force et courage, pour défendre l'église, nous, hein? Parce que je dis à nous-mêmes, nous avons marché dans la honte et dans la déception. Quel esprit c'est pour vous dans le travail que vous allez faire? Qui ça me dit par ça, et Pierre Winel Wené? Eh bien, message nous à Fidelio, c'est que Fidelio, il y a une responsabilité pas aujourd'hui dans sa capacité d'église là. Qui doit m'expliquer pour tout fidèle, pour toute opinion publique, nationale et internationale, Captain Demnabomasa là. L'église épiscopale sont l'église qui fonctionnait en deux chambres. La chambre des laïcs et la chambre du clergé. Fidelio a 50% pouvoir dans tout. Vous l'entendez, s'il vous plaît? Fidelio a 50% alors en termes de pouvoir dans toute décision qu'a prise en tête l'église là. Fidèle l'église épiscopale d'Haïti, je dis, elle a parlé avec nous. Nous même capteur de tout côté. Allô? Et responsable. Oui, allô, voilà, voilà, vous entendez? Oui, oui. Responsabilité, ça va l'autre bagaille. Nous avons tout conclu ton intervention, nous, d'accord? Merci. Que Fidelio organise à travers le comité, le conseil fabrique, dans chaque église, pour que ensemble, parce que le conseil fabrique, pour que j'aime prendre une décision, je ne parle pas de conseil paroissial, tout conseil de mission qui vient, yo, yo ka groupé yo ensemble, et puis yo prend position commune, pour yo dire, non, ce n'est assez, nous pas voulons l'église, nous, on continue à marcher dans la déception. M'a fini pour me dire, m'a demandé la police, pendant que j'ai chassé moun, yo dans toute rage, yo dans toute activité, yo. Eh bien, si la police a chassé moun yo là, eh bien, a chassé yo côté yo, ya. Il y a plein d'autres monde tout le temps dans nos cités, dans le dossier. Nos cités, nos pasteurs. Nous avons des pasteurs, ça va arrêter. Nous-mêmes fidèles l'église épiscopale. Nous-mêmes prêtres l'église épiscopale. Nous avons besoin de connaître la vérité dans ce qu'a dit sous nous l'église. Nous. Et si les bagages ont passé la douane, est-ce qu'il n'y a pas d'autres monde qui est responsable? Nous pas dit que la douane est tout le monde la douane responsable. Mais quand même, s'il y a fait ça depuis tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas d'autorité qui est meilleure trempée dans ça que nous cherchons? Moun qui tape voye zami yo, moun qui tape recevoir yo. Nous besoin vérité établie sous question ça pour l'église épiscopale retrouver sa dignité d'église. Cette église qui est fière de servir un pays, une nation, un peuple. Et nous avons l'école tout côté de notre pays, l'hôpital tout côté, l'université presque dans tout département. Nous sommes l'église qui a servi un pays. Nous sentons indignés, dérangés, contrariés et blessés. Lorsque le nom de notre Église est attaché à ces scandales et qui n'a pas fait honneur, nous. Donc, je remercie nous et je crois que tout le monde qui attendait pour une fois qu'on est que nous, toutes pays, nous pas impliqués dans la saleté dans l'Église à cité aujourd'hui. Il y a des prêtres qui travaillent pour le bonheur, pour l'expansion de l'Évangile en Haïti, pour l'expansion des œuvres sociales, économiques et culturelles en Haïti. Nous pas gagnons, nous, attachés à. D'accord. Oui, eh bien, merci un peu, mon père. Allô? Y allez? Ben Nathanaël? Nathanaël Saint-Pierre et l'autre père? Père Avril. Eh bien, merci en pile. Je voulais juste dire un dernier mot, c'est que même gens, nous, la population haïtienne, un peu zombifiée, que l'IPA voulait prendre en quelle décision pour les marchés défendre Douali. Eh bien, épiscopal, c'est haïtien, yo, et tout. Yo gen la peur des autorités, la peur du pouvoir, la peur du pouvoir établi. Donc, message, nous, c'est un message qu'on salue.
journée jodi a nous tout libre devant bon Dieu et nous tout nous gen droit pour nous vivre tant que moun ki moun. Donc faut que moun ki coupable yo payer pour crime que yo fait et faut que nous-mêmes en tant qu'épiscopaliens nous camper pour nous mander yo on redevance yo pour nous dire yo pour nous mettre en face de responsabilité. Donc tout autant nous pas fait ça, même corruption a continué et puis malheureusement plus corruption a continué, c'est plus l'église là a sale. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Mon éditorial entre désespoir, de machination politique et les nazis. Mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paula pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.